Cette usine de production de ciment est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable y est en visite d'inspection. Zone de stockage des matières premières, ateliers de dosage sont entre autres les sites sillonnés. Une attention particulière a été accordée au traitement des eaux usées et aux émanations de résidus dans l'atmosphère. Rémi Alakouadio a salué la qualité des installations de la cimenterie. Après quelques mois de fonctionnement, nous sommes venus faire le point de ce qui est la photographie de la situation en matière donc, d'impact sur l'environnement, en matière d'éventuel impact sur la santé, de voir quelles sont les mesures collectives que ensemble pourrons apporter pour faire en sorte que ces impacts-là soient au maximum minimisés. Le directeur général de la cimenterie a affirmé son engagement à apporter toutes les corrections préconisées par le ministre. Nous avons rassuré monsieur le ministre de notre engagement, dans ce sens, et surtout vis-à-vis du ministère de l'Environnement et vis-à-vis surtout de nos riverains. Nous avons présenté à monsieur le ministre et à la délégation une sorte de chronogramme par rapport à tous les travaux qui sont en plus de l'usine qui sont prévus en termes de performance environnementale. D'autres visites sont prévues dans les cimenteries et installations du district d'Abidjan. L'enjeu, faire respecter les normes environnementales et encourager l'adoption de nouvelles technologies de production.